Laurie Omouni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du RDO, c'est votre parti qui est actuellement chargé de l'animation du bureau politique du Front. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette nomination ? Alors c'est une nomination qui a été validée par l'ensemble du Congrès. C'est aussi une candidature. Christian Théin a été une candidature de l'ensemble des groupes de pression qui ont été présents lors de ce Congrès. Donc il faut comprendre aussi que Christian, il est quand même le commissaire général de l'UC. Donc il est légitime aussi en qualité de militant de l'UC d'être à la tête du FLNKS. Je rappelle également que la devise de l'UC, c'est quand même « deux couleurs, un seul peuple ». Donc ça veut dire qu'ils sont pour le vivre ensemble, ils sont aussi pour la paix, ils sont pour construire une société. Donc aujourd'hui, cette candidature, c'est aussi la candidature symbolique qui permet de, j'ai envie de dire, symboliser la réconciliation entre le peuple et le FLNKS. Alors, président d'un mouvement de libération, mais en détention provisoire dans l'Hexagone, est-ce que ce titre lui donne un statut particulier ? Alors, effectivement, de fait, il devient quand même le représentant politique du FLNKS. En sa qualité d'être prisonnier, il devient également un prisonnier politique pour nous. On le considère comme ça. Et d'ailleurs, ça fait partie également de nos motions que l'on a adoptées lors de ce 43e congrès extraordinaire du FLNKS. Que ce soit lui, nos déportés ou l'ensemble des victimes qui ont été abusivement arrêtées depuis le 21 février, on les considère et on acte et que, effectivement, ce sont des prisonniers politiques. Alors, vous avez eu l'occasion de dire que c'était une demande du terrain. Maintenant que c'est fait, quelles sont les conséquences, justement, sur le terrain ? Alors, effectivement, sur le terrain, ça a été une demande. Et aujourd'hui, ce qui a été proposé, ou en tous les cas discuté, c'était effectivement de pouvoir libérer les axes routiers pour que la libre circulation, elle puisse reprendre. Donc, ça a été acté également par les CCAT relais. Et donc, dans les prochains jours, effectivement, il devrait y avoir la levée de cette pression. Quid, par contre, de Saint-Louis ? Donc aujourd'hui, on se pose la question, et il nous l'a été effectivement demandé à l'ensemble des groupes de pression présents, de pouvoir se rendre sur Saint-Louis pour aller discuter effectivement avec nos militants qui sont sur place. Donc l'objectif, c'est surtout de demander à l'État de lever les verrous sur Saint-Louis pour qu'on puisse aller discuter avec notre population et surtout lever la pression pacifiquement et permettre aussi à la population de librement circuler. Vous avez entendu tout à l'heure le Palika et l'UPM, deux des partis fondateurs du Front, ont refusé de participer à ce congrès et n'ont donc pas validé la nomination du nouveau président. Ne craignez-vous pas un risque d'implosion des FLNKS ? Alors, je l'ai toujours dit, mon président aussi, la richesse du FLNKS, c'est que malgré ses divisions, malgré effectivement ses opinions divergentes, a toujours su se retrouver pour pouvoir justement trouver le consensus et pouvoir avancer ensemble vers l'objectif qu'on s'est fixé, qui est l'indépendance de notre pays. Donc aujourd'hui... Mais comment les faire venir vers vous maintenant que vous avez pris cette décision ? Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas... ils ont simplement précisé par voie de communiqué qu'ils n'assisteraient pas au Congrès. Mais aujourd'hui, ils font toujours partie du FLNKS. Ils n'ont pas quitté la maison. Donc ils sont toujours là. Il faut simplement se dire et comprendre qu'il y a des espaces au sein du FLNKS pour que l'on puisse échanger. Il y a le BP-FLNKS qui est toujours en place, qui a toujours lieu d'être, puisque effectivement on a nommé Christian Théin en qualité de président, mais on a décidé aussi de faire évoluer cette gouvernance en mettant un vice-président. Donc aujourd'hui, il va falloir désigner ce vice-président qui sera de facto celui qui va assurer l'intérim de la présidence et qui va travailler avec le bureau politique qui est composé de l'ensemble des groupes de pression. Mais justement, pourquoi nommer un président s'il ne veut pas exercer son mandat ? C'était une nomination symbolique. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est une nomination symbolique qui caractérise et surtout qui reconnaît cette réconciliation entre le peuple et le FLNKS, et surtout avec la jeunesse. On a entendu tout à l'heure le Palika et l'UPM tenir des propos assez durs vis-à-vis de cette nomination, vous comprenez ? Oui, bien sûr. On a toujours été durs entre nous. On le fait par voie des médias ou même de vive voix. Maintenant, on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, on va être capable de se retrouver parce que c'est notre objectif qui est le plus important,
atteindre cette accéder à la pleine et inéluctable souveraineté de notre pays. En parlant maintenant des réactions à droite, parce qu'ils considèrent que le FNKS, je cite, est noyauté par la CCAT, les loyalistes de leur rassemblement en tête ne considèrent plus, je cite, le FNKS comme un interlocuteur légitime, que ce soit pour les discussions sur l'avenir institutionnel que pour la reconstruction. Que leur répondez-vous ce soir ? Alors déjà, pourquoi le FNKS ne serait plus légitime pour pouvoir discuter de l'avenir de ce pays, alors que je viens de préciser que ce congrès est le congrès de la réconciliation entre le peuple kanak, le peuple océanien et le FLNKS, c'est-à-dire l'ensemble de ces groupes de pression qui, avant, étaient composés de quatre groupes de pression et qui, aujourd'hui, en compte à peu près une dizaine. Donc, ça serait plutôt un déni de démocratie que de renier le peuple kanak et le peuple océanien qui, aujourd'hui, a décidé de s'unir à ce congrès du FLNKS. À quand la possible réconciliation avec le peuple, on va dire, calédonien? Alors, dans les prochains jours, je pense que ça va se construire petit à petit. Aujourd'hui, il faut lever la pression, il faut pouvoir permettre à la population de librement circuler pour que l'on puisse ensuite être apaisé et s'intéresser aux sujets, aux urgences sociales qui aujourd'hui sont importantes dans notre pays, et notamment la reconstruction, la sortie de crise, et pouvoir in fine s'intéresser à l'avenir de notre pays. Alors dans une de vos motions, vous dites que si la discussion doit reprendre, vous l'envisagez uniquement qu'avec l'État. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour discuter de cette accession à la pleine souveraineté, ou en tous les cas des modalités pour pouvoir y accéder, ce sera avec l'État. C'est l'État qui va pouvoir mettre en place les modalités. Donc, et les partenaires calédoniens, quid d'eux ? Alors, les résultats des législatives montrent particulièrement qu'aujourd'hui, les indépendantistes sont majoritaires dans ce territoire. Donc aujourd'hui, il faut aussi tenir compte de la démocratie qui s'est exprimée lors de ces législatives. Donc il faut aller discuter avec l'État, pour l'instant, et peut-être que nos partenaires locaux anti-indépendantistes pourront rejoindre les discussions plus tard. Mais pour l'heure, il faut qu'on discute avec l'État. Alors vendredi, autre fait d'actualité, les indépendantistes ont perdu la présidence du Congrès au profit de l'éveil océanien, son ex-partenaire de la majorité océanienne. Vous-même allez d'ailleurs, il se dit d'ailleurs que vous allez au gouvernement, maintenant que Waïmoa Mouliava a rejoint le Congrès. Cette majorité océanienne, selon vous, est-elle allée au bout de ses limites ? Je ne sais pas si elle est allée au bout de ses limites. En tous les cas, je pense que la volonté aussi de l'éveil océanien, c'était que ce 13 mai et en tous les cas les trois derniers mois qui se sont écoulés ne soient pas vides de sens. Donc leur volonté était, je pense, de pouvoir envoyer un message à la jeunesse ou en tous les cas au peuple calédonien. Donc on prend acte de cette action, de ce fait, et j'ai envie de dire, y a un moment où il faut apprendre aussi à perdre. On a appris à le faire, on le sait. Et aujourd'hui, on est quand même heureux que ce soit une océanienne qui porte encore et qui a cette écharpe de présidente du Congrès. Je pense qu'il ne faut pas juger sur cette élection qui s'est tenue, puisque Éveil océanien est resté droit dans ses bottes en présentant une candidature. Et c'est effectivement la droite anti-indépendantiste qui a décidé de la porter. Aujourd'hui, il va falloir décider comment on va pouvoir travailler. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est surtout qu'on puisse répondre aux besoins et aux attentes de la population calédonienne. Et donc, dans ce contexte, il va falloir travailler ensemble. Donc aujourd'hui, ce sera dans le travail qu'on va devoir juger. Et c'est dans le travail qu'on va juger cette majorité océanienne et l'unité de la population calédonienne. Alors, autre fait d'importance, pendant que vous teniez le congrès, eh bien, l'usine de KNS au nord, symbole du rééquilibrage, fermait ses portes. 1200 salariés au chômage, défendus par les indépendantistes, cette fermeture. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors déjà, j'aimerais avoir une pensée pour les 1200 salariés et aussi les 700 salariés qui sont impactés indirectement. Donc c'est une pensée pour eux parce que effectivement la situation économique est compliquée. Donc c'est aussi parce que c'est de l'emploi local qui disparaît. Mais il faut quand même garder l'espoir parce qu'il y a quand même encore des recherches pour des repreneurs. Un repreneur qui pourrait justement relancer en fait cette usine et permettre aussi de replacer ces salariés qui aujourd'hui sont impactés.
Laurie, nous passons maintenant aux questions des internautes. Première question avec Christian Théin à la présidence. Quel message adressez-vous aux Calédoniens? Alors, le message, c'est surtout, j'aimerais aussi rappeler que... Il est en détention provisoire. Il est en détention provisoire, effectivement, mais il est toujours présumé innocent. Et aujourd'hui, ce Christian Théin, notre président, est un symbole pour le peuple kanak. Et à partir du moment où le peuple kanak se sent reconnu, il va permettre en fait de renouer les liens avec le reste de la population calédonienne. Donc aujourd'hui, c'est une main tendue aussi que le FLNKS est en train de faire, puisque aujourd'hui, c'est la réconciliation du peuple kanak avec le FLNKS. Et peut-être derrière, ce sera la réconciliation avec l'ensemble de la population calédonienne. Mais justement, est-ce que vous comprenez que cette population soit, on va dire, irritée par les émeutes, parce que le résultat de ces émeutes? Alors, moi, je parle plutôt de révolte, hein, parce que c'est une révolte politique, mais c'est aussi une révolte sociale. Il faut aussi comprendre que dans nos quartiers ou même sur l'ensemble de la population, on peut voir que la jeunesse, hein, qui s'est exprimée lors de ces événements, a crié, a envoyé un cri de souffrance, et parce qu'elle a toujours été laissée au bord de la route. Donc il faut aussi le comprendre, ce geste. Deuxième question, Laurie Oumouni, en quoi le retrait des 3500 forces de l'ordre serait-il bénéfique à la Nouvelle-Calédonie? Alors ce n'est pas un bénéfice, mais en tous les cas, c'est surtout un appel à l'apaisement. C'est-à-dire que si aujourd'hui tout le monde veut revenir autour de la table, tout le monde a envie de dialoguer, de renouer des discussions, surtout pour reconstruire cette paix qui a été perdue durant cette période. Il va falloir discuter. Et pour discuter, il faut enlever l'épée de Damoclès, il faut enlever la pression. Donc nous, on va le faire en demandant à la CCAT, effectivement, de lever la pression, en libérant les voies de circulation. Mais il faut aussi que de l'autre côté, face à nous, que l'État prenne ses responsabilités et lève effectivement cette pression pour que l'on puisse renouer un dialogue sincère, serein et apaisé. Laurie Oumouni, merci d'avoir accepté notre invitation.